Hello à tous, hello à tous. I'm gonna stay right on the bright side. Une semaine avant Noël, alors que je me préparais avec hâte pour partir en France pour les fêtes, le nombre de cas du variant Omicron a commencé à augmenter considérablement au Royaume-Uni. Et suite à cela, de nombreuses restrictions de voyage ont été imposées entre les deux pays, à mon grand désespoir. Parce qu'il faut aller. On va mettre en place. Dire les choses. On va mettre en place. Oui. Un contrôle aux frontières avec le Royaume-Uni encore plus drastique que celui qui existe aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va réduire la durée de validité du test pour venir en France. C'était 48 heures jusqu'à maintenant. Ça va passer à 24 heures. Mmh. Ça veut dire qu'on va limiter les motifs qui permettent de venir du Royaume-Uni en France. Ça va être limité, enregistré effectivement sur une application qui générera ce qu'on appelle un arrêté préfectoral d'isolement. Oui. Ça veut dire que les personnes qui arrivent sur notre sol du Royaume-Uni devront s'isoler dans un lieu qu'elles choisiront pendant 7 jours, contrôlés par les forces de sécurité, mais que l'isolement pourra être levé au bout de 48 heures si un test négatif a été fait une fois arrivé. Cette annonce a été rude pour tous les Français qui vivent en Angleterre actuellement parce que franchement, ça ajoute beaucoup de stress, d'argent et d'énergie à un simple voyage qui nous permet de revenir voir nos familles pour les fêtes. Et l'ironie du sort, c'est que je suis tombée malade exactement pendant ces annonces, donc une semaine avant mon voyage, et j'étais en gros stress, j'étais persuadée d'avoir le Covid. J'ai fait un total de 6 tests PCR et antigéniques, dont le dernier qui s'est avéré être négatif, comme les 5 précédents, ce qui m'a permis de pouvoir bien poursuivre mon voyage et de partir en France, moi tout comme mon copain. Donc c'était un énorme soulagement de pouvoir finalement partir, fêter Noël avec mes proches. Quand on vit à l'étranger, on sait qu'on manque des événements familiaux, mais louper Noël, c'est toujours assez compliqué. Alors je suis vraiment heureuse de pouvoir partir et j'ai décidé de partager ça avec vous dans ce vlog voyage. Le but de ce vlog, c'est aussi de vous informer sur les conditions de voyage entre les deux pays, que ce soit dans le sens Angleterre-France ou France-Angleterre. Si vous voulez voyager comme ça, vous aurez toutes les infos. Cette fois pour notre départ, on est parti en Eurotunnel, donc je vous laisse profiter du voyage et je vous retrouve pendant cette vidéo. C'est parti! Voilà, du coup on a le petit truc à prendre et on part dans une demi-heure. T'es prêt? Donc voilà, quand vous prenez le tunnel, vous avez un truc du petit fruit un petit peu et puis un petit hall avec où prendre à manger. En fait, quand vous prenez le tunnel, là derrière vous avez la frontière anglaise où vous montrez les documents. Et devant, vous avez la frontière française pour vous montrer encore une fois les documents. Donc les deux frontières sont sur le même territoire en fait. On y est. Après tant de stress, on est enfin dedans. Trois d'arriver en France. Voilà, donc là on part. Regardez, on voit que le train avance par la fenêtre. Mais on peut pas sortir de la voiture, donc voilà. Mais c'est vraiment trop bizarre la sensation d'être dans une voiture et dans un train et ça bouge. Voilà, là on voit encore qu'on est sur le sol britannique. Et après d'un coup on verra plus. Il fera tout noir dehors et on sera eh bien dans le tunnel sous la Manche. Voilà. Mais it's a bluff. Hi guys, je vous retrouve en plein dans l'Eurotunnel. Voilà, on est en train de voyager. Là, on est donc sous la Manche actuellement. C'est fou de se dire ça. Et franchement, comme vous avez pu le voir dans le générique juste avant, ces 7 derniers jours, c'était vraiment les 7 jours les plus stressants de toute ma vie. J'ai jamais autant stressé. Je pensais que jamais je pourrais partir en France. On est quand même parti. On a pu partir. Je suis contente de pouvoir vous dire ça parce que je n'y croyais vraiment plus du tout. Donc franchement, un énorme soulagement de pouvoir être parti. Donc pour vous faire un petit résumé des conditions d'entrée sur le territoire français depuis l'Angleterre. Déjà pour les conditions, donc j'étais beaucoup stressée parce que il fallait déjà un test moins de 24 heures à l'avance, négatif. Ce qui est bien, c'est qu'on pouvait faire soit antigénique, soit PCR. Ensuite, il fallait une déclaration sur l'honneur comme quoi on n'a pas de symptômes du Covid depuis 48 heures. Remplir un document qui s'appelle le document EOS sur un site du gouvernement où on doit déclarer l'adresse où on va s'isoler en France pendant 7 jours parce qu'on doit s'isoler 7 jours en France. Mais on peut sortir de l'isolement 48 heures après si on fait un test, donc au bout de 48 heures. Ça vous envoie carrément un arrêté préfectoral avec votre nom, tout ça, et des articles de loi qu'il faut respecter comme quoi il faut bien rester isolé 7 jours. Et vous pouvez bien sûr sortir au bout de 48 heures, c'est écrit sur l'arrêté préfectoral, mais c'est genre super officiel et c'est indiqué que vous pouvez avoir des visites de la police en France. Donc on verra si on a des visites, je vous dirai ça dans la vidéo. Il faut aussi donc bien sûr votre preuve de vaccination, ça c'est obligatoire.
Et je crois qu'on a fait le tour, je réfléchis. Attestation sur l'honneur, vaccin, test négatif, formulaire EOS. Ouais, je crois que c'est tout. C'est tellement stressant, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça, tellement j'étais stressée ces derniers jours, c'était horrible. Là, je vais vraiment décompresser pour Noël et j'en ai vraiment besoin. Donc voilà. Et sinon, dans l'autre sens, pour les gens qui veulent aller en Angleterre, donc moi, bien sûr, je me fie au fait que je suis vaccinée. Pour les non-vaccinés, je vous avoue que j'ai pas forcément toutes les infos, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Mais si vous êtes vacciné, il faut un test avant de partir, donc un test de moins de 24 heures négatif. Il vous faut votre preuve vaccinale, de statut vaccinal. Il vous faut aussi remplir le PLF, donc c'est un document avec toutes vos informations personnelles dessus. Et vous devez aussi réserver un test. J'ai les oreilles bouchées avec le tunnel, c'est horrible. Vous réservez un test pour le day 2, donc au deuxième jour de votre retour en Angleterre, enfin de votre arrivée en Angleterre, vous devez faire ce test négatif, vous pouvez sortir de la quarantaine. S'il est positif, il faut rester isolé encore, bien sûr, parce que techniquement, il faut rester isolé jusqu'à ce que vous ayez le résultat de ce test. Et c'est hyper, hyper, hyper strict, enfin je vous jure, c'est un truc de fou. Franchement, si vous voulez voyager entre les deux pays en ce moment, accrochez-vous. Faut pas être une personne stressée comme moi parce que j'en ai pas dormi, quoi. Et en plus, j'ai été malade, donc j'ai eu peur d'avoir le Covid. Et j'ai fait genre 6-7 tests PCR en tout au total pour pouvoir être sûre que je n'avais pas le Covid. Voilà. Donc maintenant c'est parti, je vais en France enfin. La dernière fois que je suis venue en France c'était il y a 3 mois pour le mariage de ma sœur. Donc je suis trop contente de revenir en France pour les fêtes parce que j'adore passer les fêtes en France. J'aime pas forcément passer les fêtes à l'étranger. L'année dernière j'étais en Grèce pour les fêtes donc je n'ai pas vu mes proches. Donc là ça fait 2 ans que j'ai pas fêté Noël en France. Donc franchement je suis trop heureuse de pouvoir revenir. Et c'est toujours un sentiment spécial quand on retourne en France après un certain temps. En tant qu'expatriée c'est un gros sentiment spécial qui fait trop du bien. Voilà les gars. Quand il y a Johnny à la radio on sait qu'on est en France. Someone to love me, I need someone who needs. Me voilà chez moi, dans mon lit en France. Ça fait toujours trop du bien d'être ici. Et on est maintenant le 27 décembre, donc on est quelques jours après Noël. Donc j'ai pas filmé pendant les fêtes parce que j'avais envie de garder ces petits instants pour moi et de ne pas les partager. De toute façon, je pense qu'on a tous à peu près le même type de fête. On mange, on profite de nos familles, on ouvre nos cadeaux, on se détend. C'est vraiment voilà, des moments très très importants et très rares et très précieux. Donc j'ai vraiment tenu à en profiter un maximum. Donc, et pour vous faire une petite mise à jour, sachez pour par exemple les autres Français qui vivent en Angleterre que j'ai dans mes abonnés ou d'autres gens qui seraient peut-être intéressés à savoir un petit peu comment est-ce que ça se passe pour les conditions de voyage, sachez que j'ai été contrôlée par la police. Oui oui, la police. Dès mon arrivée en fait en France, j'ai eu déjà un appel. J'étais sur la route en train d'arriver sur mon lieu de confinement et sur mon lieu de fête. Et ils m'ont appelé pour me demander si j'étais bien confinée et à quelle adresse. Pour vérifier si c'était bien exact et si ça matchait en fait avec ce que j'avais déjà renseigné. Et ensuite, ils m'ont rappelé le lendemain pour me redemander une fois de plus si j'étais bien isolée. Et enfin, le troisième jour qui était le 25 décembre quand même. Le 25 décembre, j'ai eu la visite de la police directement à ma porte. Ils ont frappé et ils ont pu vérifier si j'étais là. Et ils sont venus me faire signer un arrêté préfectoral, donc pour témoigner qu'ils m'ont bien vu à mon lieu de quarantaine déclaré en fait. Complètement dingue, franchement c'est fou comment c'est hyper contrôlé. Et en fait, toutes ces démarches qu'on a fait, c'est pas non plus pour rien parce qu'au final, ils respectent ce qu'ils font, ils nous contrôlent. Et bah ça rigole pas, ça rigole pas. Donc voilà, en tout cas, moi je suis très contente d'avoir pu fêter les fêtes avec ma famille. Et finalement d'avoir pu venir ici comme vous le savez. Donc voilà, ce sera donc la fin de ce vlog. C'était principalement un vlog de voyage dans lequel je vous ai montré un petit peu mon voyage et ma route jusqu'ici en France depuis l'Angleterre en cette période de Covid et de restrictions extrêmes pour voyager. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et informé pour ceux qui recherchaient ce type d'informations. N'hésitez pas d'ailleurs à me poser des questions, je vais laisser dans la barre d'infos des infos pour comment vous faites pour venir en Angleterre et pour venir en France depuis l'Angleterre pour tous les cas de figure. Voilà, si jamais vous voulez venir, n'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo avant la fin de l'année, je pense. Et ensuite, on sera en 2022. Donc voilà, l'année est passée beaucoup trop vite en tout cas. Et je suis contente parce que cette année, j'ai vraiment bien travaillé sur ma chaîne YouTube. J'ai développé ma chaîne YouTube comme je voulais, comme je l'espérais. J'ai vraiment fait toutes les vidéos que je voulais faire et voilà, je me suis vraiment investie à fond et j'espère que je continuerai ainsi et c'est le but.
pour les prochaines années. Donc voilà, merci encore pour votre soutien, pour ceux qui sont abonnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien et ça me fait trop plaisir, donc n'hésitez pas. En tout cas, passez d'excellentes fêtes de fin d'année et à bientôt. Bisous. Sunlight, tell me lies, we can argue.